Salutations à YouTube. J'ai envie de rejouer Tainted Lilith parce que j'ai adoré ça, mais on avait un build de fou. Attention, par contre, c'est dégueulasse. Ah oui, c'est vrai que rien ne dépassera le green mode de Judas cet après-midi. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle se traîne le cul. Attention, regardez. C'est atroce. Ok. Mais ça pack a punch, comme disent nos amis américains. Paf! Voilà, moi ce que j'aime, c'est de mettre de la grosse patate. Je trouve que c'est le starter le plus fort du jeu. Hein. Ah, par contre, ça c'est pas très fort. Ok. Ah oui, en plus, on peut puncher les objets. Hors des pics. Pas un starter, ça, hein. Mais c'est pas grave. Paf! 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 Oh là là, incroyable. Pour les amoureux de Street Fighter. Hein. Alors sinon, je peux jouer comme ça. Et c'est vrai que le... Ah non, le cordon fait pas de DPS, c'est juste la petite tête. Et les larmes. Ouais, non, c'est nul. Paf! 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 Beaucoup mieux quand même. Et je rappelle qu'avec Lilith, on a joué Orbital Tears et le miroir, volontairement. Perso est incroyable. Ça c'est ballot. Surtout qu'il y avait une secrète en haut. J'ai pris cher hein. Sale histoire. Paf. Voilà, mais voilà, c'est ça qu'on veut voir. Les grosses patates. Ah, de la speed. En vrai, de la speed, c'est jamais mauvais. Avec ce perso qui se traîne tellement le yonf. Paf, paf. Par contre, faudra du dégât à un moment. Hein. Ah, ça, pour un hacker, un Devil Deal, c'est pas mal. Regardez ça, regardez la galère. Alors que... Paf. Ok. Ouf! Ça scale sur le DPS en plus. Je voulais juste... Oh non, on peut pas puncher là, ça... ça. Putain, j'ai pas de bombe, j'ai une clé, c'est la dèche là. De grâce! Tellement de pognon là-bas en plus. Un vrai objet ou quoi là? J'ai envie de crever. Pas une salle D4 là? Un peu décevant, hein, je dois bien vous l'avouer. Non mais c'est pas possible. Oh! Allez, j'en ai rien à foutre. Incroyable. Bon, on va la prendre cette sans-suite de mort. Ça nous enverrait plus vers une run God Room, hein, mais bon. Quasiment sûr. Non, mais on n'est jamais sûr. On peut penser que la secrète est là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de garantie là-bas si j'utilise une bombe?
rien en fait. D'accord, dommage. Nickel. Puberté qui n'est même pas une mauvaise pilule d'ailleurs. Hein. 3 puberté, c'est un HP up. Attends, c'est quoi? Ah oui, le $3 bill! Mais du coup... Oh ouais, c'est incroyable. Parce que ça en envoie quand même une ou deux quand je punch, quoi. Donc je sais ce que j'ai et j'improvise derrière. Oh là là. Oh oui. Ah ouais, quand même. Oh. Hmm. Ah oui, mais je suis pas sûr que Control Tears... Enfin si, bref. C'est du damage up quand même, quoi. Je peux utiliser Strength. Ah mais je peux faire ça, ça, ça. Let's go. Ok. J'ai 2 bombes. Ouais. Mmh. Oui. Incroyable. Incroyable cet étage. L'opti, une fois de plus. Ok. Let's go. On en est où? Oui, on veut faire... Ah mais du coup, pas de Run God Room, quoi. Oui, j'ai utilisé la carte Strength qui me donne un HP up juste pour la salle, mais qui permet d'arnaquer les Devil Deals. Ah mais non, c'est ma sangsue. J'étais... Je pensais que j'étais pourchassé. Non, c'est une blague. Ok. Aïe. Paf. Oui, c'est vrai que je gagne du pognon quand je me fais toucher. Ce perso, il est incroyable. C'est mon perso, c'est mon perso. On a peut-être envie de le bomber, mais... Quoique là, je suis pas trop en position de prendre un Devil Deal, donc c'est pas... capitale. Donc le 1 plus 1, ouais. Oh. BFF. Ah, j'ai juste la larve, quoi. C'est pas une dingue, quoi. Merde, je pensais que c'était une que j'avais pas, j'aurais préféré en vrai. Intéressant. L'item room on a eu, hélas. Enfin oui, non, c'est ok. Bon, j'ai un plus 1, donc je
suis plus... je suis encouragé à farmer. J'ai fait le boss rush, ouais, j'ai tout fait avec elle. Enfin, j'ai fait boss rush et Hush. Ah oui, mais oui, c'était le... Le run du quintuple unlock. Enfin, du quintuple achievement. Beaucoup trop balls. D'ailleurs, perso. Incroyable. Ah oui, est-ce que le range up... Non, c'est le range de l'alarme, non? Enfin... Est-ce qu'il part plus loin, là? Ah oui, mais c'est vrai, on sait qu'en plus, mon bro IBFF, on l'a déjà testé tout à l'heure. Donc oui, c'était totalement worth de le prendre. Health up. Au secours. Qu'est-ce que je fous, là? Oui, c'est normal. Ah oui, j'avais pas fait le boss. Ok, pestilence. Bah ça va combo avec... voilà, un gros cube. Continuum Tears, on rigole avec le billet de 3$. Attendez. Video gamers. comment vous pouvez douter? C'est le meilleur perso du jeu, hein. Oh, on a les Holy Tears là. Hop là. On a juste trouvé des cœurs quoi. On a pris le Devil Deal parce qu'il était délirant, mais c'est vrai que la sensu BFF, ça fonctionnerait bien si on était en run cœur rouge. Ça ne sera probablement jamais le cas. Déception. Quel plaisir, non mais quel plaisir quand même. Ok, l'item home, toujours à trouver le shop. Et la super secret. Gemini, ça joue avec ce perso. On a eu Gemini, je crois. Avec ce perso, il a rien fait, je crois. Parce qu'on était constamment en train de tout défoncer. Le run qu'on a fait avec Tainted Lilith, on avait BFF et beaucoup de familiers. Par contre, là, c'est un peu la PLS, là. Je suis un cœur ennemi, quoi. Même la PLS. Enfin, si j'avais plein de bombes, là je trouverais mon Magic Mushroom. Kane's quasiment sûr qu'il est là. Le petit doux. Oh.
Oh, on va peut-être revenir. Oh, Momsky avec un plus 1, c'est un grand grand oui. Hein. Mais non. Mais faites un effort, bah si j'avais su je l'aurais utilisé dans le shop. Hein. Chaque fois le même thème. Mais je sais qu'il pop au milieu en plus, ça nous a bien servi d'ailleurs, ça nous a sauvé le run contre Delirium là avec... je sais plus quelle personne mort. Attendez, c'est bon, we have monies. Mais pas assez. Mais presque. Une bombe suffira. Ah magnifique! Allez, maintenant tous les coffres seront de meilleure qualité, ils renfermeront plus de choses. What a... Oh là 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 là. Oh quel plaisir. Ça c'est le gameplay que j'aime. Parfait ça. Alors là, c'est oui. Chidu. Vas-y, mange. Je sais que tu seras décevant plein de fois, mais c'est pas grave. Est-ce qu'en BFF, il lâche plus vite? Ou il lâche mieux? Non, pas du tout. Merci. Dark Bum, donc... moins fort qu'avant, mais fort quand même. Tous les 1 cœur rouge ennemi avalé, il lâche quelque chose. Parfois du cœur bleu, parfois du cœur noir, parfois de la mouche à merde, de l'araignée, des pilules. Mais vu que, bon... oh, vu que le cœur rouge, putain, fais chier. C'est un des drops les plus communs. Et que j'en ai pas, c'est quand même pas mal. Ok, ça m'a saoulé. Il a été nerf comment? Ben, il a plus tendance à... enfin, il... c'est beaucoup moins garanti d'avoir un cœur bleu ou noir avec lui qu'avant, quoi. Là, j'ai eu de la chance, j'en ai eu deux de suite, mais... peut-être BFF, hein. Il lâche beaucoup plus des choses parfois médiocres. Ah oui, c'est toxique. Je croyais que c'était juste du creep qui ralentissait. Qui est là? Ah oui, non, ça, c'est pas le mien. Je croyais que c'était le mien. Hop. Oh, joli les clous. Ouais bon, ça vaut pas la patate hein. On arrivera toujours à la même conclusion quoi. Rien ne vaut la giga patate. Attention. C'est XL, hein? C'est ça qui est en train de se passer, ça? Pas possible. Ah, putain. Chier. Ah, je suis sûr que grâce au pouvoir de BFF, il va être extraordinaire.
Incroyable, regardez, regardez comme il est fier. Regardez comme il a envie de participer à la fête. Ok, bon évidemment les clés infinies sur cet étage ne fonctionnent pas avec le mendiant des clés qui me prendra vraiment mes vraies clés. Faut pas déconner. Paf. Paf. Oula, attention. Paf. Oui. Très bon choix. Avec le 1 plus 1, je sais pas si le sac, ouais, peut-être est rentable. Mais le 1 plus 1, il pop sur très peu d'objets maintenant. Genre voilà, la pièce là, elle est standard. C'est que sur certains trucs, peut-être bombe clé et encore. Ah oui, il y a deux salles d'objets, on est en XL. Il va y avoir un truc qui l'empêche de prox. Ça a si peu marché là. De quoi? Pile mimique plus ball of steel. Ah mais faut encore faut-il la trouver. Et j'ai Meat Boy et deux Pretty Flies du coup. Ah mais je suis tellement bien et en BFF. Là il y a The Fool là mais on s'en fout. Oh mon dieu. Mendiant plus... Vous savez qu'on est joueur. Ça nous fait pas peur tout ça. Ok. Et quel connard. Ah oui non mais parce qu'il y a celui à droite sur le côté. Alors en plus faut faire des virages serrés. Et vite et bien. Mais tourne putain mais quel con. Le couche. Ok. Où tu pètes le caillou? Non mais ça c'est une honte. Il faut la jouer dans la règle de l'e-sport. Bravo. Oh là là, mais c'est mon perso, hein. Officiel. Je le mint. Oui, attends, c'était quoi les dingueries qu'ils m'avaient fait, eux? J'avais pas du tout apprécié. Voilà, c'était ça. Oui, c'est que s'ils te voient, ils se désintéressent totalement de leurs conneries. Oui. I remember. Putain, quel bro.
Oh là là, mais cet étage gigantesque. Bravo. On se met bien, hein. Plutôt satisfait de la tournure des événements. Je sais pas si ce run sera aussi ouf, ça m'étonnerait, que celui qu'on a eu avec avec ce perso là, la première. Notre deuxième run. Non, j'ai eu plus ou moins tout ce que je voulais, donc aux œufs. Décevant. Là j'ai plus rien à faire là, hein. Là c'est juste du farming bête et méchant, hein. C'est bien ça. Ouais c'est bien ça. Laissez faire les professionnels. Feu. J'aurais pu le faire en une bombe d'ailleurs. Oh merde. Le meilleur perso, le meilleur, the best. Ok. Era Walk fait quoi? Ça fait un giga slowdown. Gros ralentissement sur la pièce. Parfait pour un combat de boss énervé. Vu. Ah mais là, ouais, à part Small Rock, vous avez quoi? J'espère que vous me parlez pas du crâne marqué, parce que ça on s'en fout, hein. Vous me parlez de lui là, mais j'en ai parlé tout à l'heure. D'accord. Di. Vraiment aimer un jeu, être professionnel pour jouer un jeu plus de 5 heures par jour. Ah bah pour le coup ce jeu là, faut pas oublier, hein, des centaines de synergies, les persos sont différents, il y a les cheminements différents. C'est quand même un jeu au niveau de la replay value, là surtout cette version là on a atteint... C'est assez fou, hein, ce qu'il y a en replay value sur ce jeu là, ensuite faut accrocher c'est sûr. Mais une fois que t'es rentré dedans, c'est le vortex. Ouais, lui, on va peut-être lui mettre de l'alarme, là. Non, non, on va lui mettre des patates de forain, bien sûr. Bon, de temps en temps, quand même, on varie. Grosse patate, ouais. Oh là là. On a enchaîné les directs, là. Il voulait plus taper, là. Il avait fait la grève. Ok, c'est pas grave. Bon, attention. Merci, la larve. Oh non, c'est chiant, ça. Faut que ça cesse. Moi je suis pas contre parce qu'il y a un luck up, mais il va falloir trouver le devil deal, quoi. Regardez cette confiance absolue. Ah, ça aurait pu être pire. Par contre me faire toucher là c'est une honte. Heureusement que je vais avoir un devil deal de ouf à deux, hein. Je vais avoir Spirit of the Night ou Brimstone, hein. Heureusement. Hein. Non, Death Touch. C'est cool. Oh là. J'ai eu combien de bouquins? Oh, merci. En vrai, ouais, oui, je me mets sur Paula. Ça c'est pas si mal, c'est-à-dire que les Devil Deals vont passer en pognon et les magasins en souffrance, mais il n'y a plus de magasins. Et le bouquin, je le prends pour un éventuel chatage de Bookworm. Probablement. Ouais. Ah oui, non mais le con. Fallait prendre le bouquin d'abord. Amnesic Man. Mais du coup, je vais plus jamais pouvoir me séparer de mon cœur. Oh!
Le drame absolu. Si, avec n'importe quelle machine de don du sang ou je ne sais quelle merde. Is ok. D'ailleurs, on va prendre ça. Vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, vous allez faire un professionnel. Maintenant, au shop, ça sera juste de la souffrance. Ah si, les gros objets, les objets à 15, ils te mettent des volumes. Mais il n'y a plus de shop, qu'est-ce que vous m'en comptez? Taisez-vous. Ok. Privilégiez l'abonnement, de grâce. Merci Taco le Poulpe pour le sub. Uton des bois. Merci Derek67, Ushio, Coach8759, Island Brice, Kogis pour les subs, merci beaucoup. Pilule else down. Je crois que c'est pas possible là, un cœur rouge. Je spam. Mais quel con, putain, quel con. On gère, hein. Je trouve qu'on gère pas mal. On reste assez serein, on est posé. On est en place quoi. Oh non mais putain, il suffisait de prendre le bouquin avant et c'était perfect move. Oh là là, on a loupé une opti, je sais pas si j'y survivrai. Oh, il se passe des choses ici. Non, non, non. Two of Spades, ça double les clés, c'est d'accord. The Waludor. Pas de salle d'arcade, c'est ce que j'espérais. Ensuite, il peut y avoir des mendiants du sang au pif à divers endroits, mais... Mais attendez, faut que je cherche la super secret, ça se trouve elle est juste là. Non. Ah, putain, j'avais oublié. Ouf. On va chercher la super secret. Et peut-être un moyen de se débarrasser de ce cœur rouge. Putain, mais j'ai merdé, ça m'énerve. C'est inadmissible. Et en plus j'ai la sangsue, donc c'est-à-dire que même si je me vide de ma vie, la sangsue elle va me mettre dans la merde. Mais c'est foutu alors. J'ai complètement défoncé mes chances d'avoir le Polaroid. Parce que maintenant mes Devil Deals sont en pognon. Juste parce que j'ai inversé l'ordre dans lequel je les ai pris. Oh my god. Pas grave, on va dire qu'on apprend avec les erreurs quoi. Ensuite pour être honnête, je le sens bien ce run hein. Cette Maggie, elle est... Enfin, cette Maggie, cette Lilith, elle est quand même en place. Là. Mais il me provoque, hein. This is provocation. En plus, j'ai déjà une Erawok, donc j'ai même pas besoin d'une I'm Drowsy. Pas besoin de piffer grand-chose, là. Et je peux pas avoir Else Down vu que j'ai un cœur, donc ouais, c'est full lose. Et même Hématomésis là, ouais, me met un cœur, donc c'est, ça sert à rien, ouais, y'a rien qui me sert. Hein. Elle est là, c'est super secret. Sinon... On trouve une salle, la salle super secrète à 12 000 cœurs rouges. Accrochez-vous bien parce que ça va pas plaire à tout le monde. Hein. J'aurais dû faire death, je suis con. Et on fait la sacrifice room. Pourquoi? Aucune idée. Évidemment la dernière. Quoi? Mais pourquoi je dis sur mon bouquin con de moi va? Oh c'est une honte. Ok.
Oh, j'ai honte de faire ça. Ok, j'ai plus honte. Ok, j'assume totalement. Très bien. Incroyable. Ah, j'ai pris le Rotten Heart. Bon, on s'en fout. Ça a changé à mon problème. Je ne pourrais jamais me débarrasser de ce cœur. Il me faudrait l'objet nul, là. Non, mais même l'objet nul qui me saigne à blanc servira à rien parce qu'il y aurait la larve qui me soignerait. C'est loose. Voilà. Ah, du coup, voilà, me donne pas War of Babylon, sinon je vais avoir un de ces sommes infinies. Juste pas ça. Anything but that. Ok. Mais c'est la méga loose. Oh là là. Guppy, j'ai aucun objet de Guppy, on est bien d'accord. Ah oui, il y aurait Guppy Spo. Meat Boy, non, je changerais. Hein. Oui, à part le truc qui me pèle la peau, là. Ça, c'est oui, hein. Faudra juste faire attention aux mouches qui pètent. Le plus gros match-up, d'ailleurs, le voilà. Mouche qui pète, man. Ouais, voilà, 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 salaud. Hein. Net 4, c'est Osef, hein. Ouais. Bon. Très bien. J'ai 41 clés, ah oui. Qui m'en ont des clés là? Quelle ambiance. Curse of the Unknown. Putain, quand je pense que je fais tout ça pour un single unlock, du moins c'est ce que j'espère. Je me dis que si je remplis la zone grisée là, où il y a déjà Satan et Zelem, c'est ce qui va se passer, mais ça se trouve je vais avoir dans le Yonf. Il n'y a pas de raison vu que en faisant Boss Rush chez Yosh, on a eu un truc. Ah non mais avec elle. En fait ce que j'ai débloqué avec elle, ça se trouve c'était un truc par défaut de Momzard de mes... On a peut-être débloqué des trucs. Oh, je suis perdu. J'ai envie que tout s'arrête, je suis perdu. Ouais, on va pas jouer avec l'ami forain là. Extended stats, mes couilles. Ah non, mais. Non. Enfin, ça peut être drôle avec les Rainbow Tears, mais. C'est beau, mais c'est long. Shortcut là. Non, en vrai vas-y on avance hein. Puis full life. Ah oui quoique j'ai ma super secret à trouver aussi pour la full opti. Et on est bien d'accord que finalement un mendiant du sang ou même une machine de nom du sang réglera pas grand chose parce que si la larve me heal c'est full troll. Ensuite la larve elle doit me taffer hein, pour heal parce que là premier patate de forain. La mouche de mon trinket, plus maintenant les Harbingers. Un petit Necronomicon. Et on a beaucoup de thunes. Oui, c'est vrai que la thune est importante du coup aussi, vu que les Devil Deals coûtent de l'argent. C'est nul. C'est nul. Te dépêche pas, hein. Surtout hein, prends ton temps. Des fois il se bloque, il refuse de mettre une patate. Oh ! Ok. J'avais pas vu l'étendue des dégâts, sinon j'aurais fait atamer.
Enfin, j'aurais fait mon bouquin surtout. Ah non, mais je viens de le récupérer, le bouquin, je crois. Voilà. Spectaculaire. La super secret est là, et sûrement le boss en vrai. Merci à tous. Quoi, il y en a trois pareils là? C'est trop, c'en est trop. Attends, c'est range up ça? Tout est pardonné. En mode Exlax. Barrons-nous. Non, Elsdown, c'est pas possible. On en a déjà parlé. 4 fois. Dans les 10 dernières minutes. Abonnez-vous. Ok. Ah, parfait. Ah, merci Skyzone. Des bisous Skyzone. Falcon Crew. Faudra que je réponde aux messages un jour. Faudra que j'arrête d'être terrorisé par Discord. Pourquoi il était full slowdown comme ça hein? J'ai apprécié. Oh l'explosivo. Oh là là. Oh, il suck. Merde, j'ai pas le devil dit. Non mais pff. On se prend la tête, mais Polaroid ou non, ça va être une boucherie. Curse of the Maze. Oula, ok, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé officiel. Vas-y, abonnez-vous, j'ai pas résisté. C'est beau, c'est bon. Suivez l'exemple de cet homme. Extra lucide. Alright. Oh là là. Oh là là, voilà. Hop. La patate de fourrant aura raison. Quoi? Merci. Oula. Voilà, et là, quand on veut pas s'impliquer, on a cette solution là aussi. On n'est pas toujours obligé de s'impliquer. Formidable. On voyage. Oh là là, ça a du pev là par ici. Ok. Allez mon grand. Quelle ordure. Ok. Non. Quoi? Ouh. Deux patates. Allez, les mouches surtout. Oh, c'est très décevant. Mais tire! Bon bah c'est pas grave, on bourre. Tu vois pourquoi des fois elle retient ses coups? Arrête de retenir tes coups. Oula. Oula. Ok. Je déteste. Hein. Les patterns sont pas durs mais je les déteste. Pas pourquoi. Hein. Je me retrouve... Mon cerveau se liquéfie dès qu'il y a ces trucs là. Là. Ok, ok. Dommage, c'était plutôt pas mal avant d'être pourri. On entame un peu, on les entame. Ils ont pris cher. Ah oui, mais c'est les mouches, ça. Quoique mon dégât n'est que de 7, donc les mouches, elles sont pas si monstrueuses que ça, en réalité. Ensuite, c'est des mouches BFF et des mouches spéciales, des mecs vénères. Donc ouais, on n'est pas sur de la mouche de Guppy normalement. Je suis une merde. Merci. Non, pff, il me refaire toucher, ça aurait été très décevant. Allez, vas-y. Ah oui, non. Il en faut encore un demi. C'est vrai que j'ai Erawok aussi, oh là là. Quel plaisir. J'ai entendu la piècette. Est-ce que j'ai honte de faire ça? Probablement. Ah oui, là j'ai vraiment honte. Mes excuses.
Les excuses à la commu. Oh, c'est intenable. Les images sont insupportables. Oh, oh là, ce qu'on est en train de vivre est cauchemardesque. Oh. Oh, j'espère que c'est la dernière fois qu'on verra ces images. Ok. Très bien. Voilà, Super Secret est juste en haut, donc je le sais, je le sens. C'est... Quoi, mais... Oh non, oh là là, téléportation. Téléportation mystique. Mystique, tu es un bandit. Ok, c'est bon. Elle est là. Mais non, pas du tout, c'est impossible, idiot. Et voilà, ravale tes grands morts. Et quoi, deux fois ? Elle est là. Oh non, mais ça m'a coûté tellement cher. Oh là là, et attention, là, je suis sûr qu'elle pue le sexe, du coup, la Super Secret. Y'a rien qui va dans ce move. Ah, la voilà, la fameuse. On l'attendait. On l'a attendu longtemps, hein. Mais elle est là. Mais 1 plus 1, c'est nullos. 1 plus 1, c'est seulement sur les drops qui sont déjà là dans les... Déjà mieux. Ok. Bon. On peut la redire reproc maintenant. Jusqu'à ce que la larve évidemment fasse 2 kills. Mais quand même, c'est la larve. Arrêtez. Elle va pas me tuer les Joséphine Ange Gardien toute seule. Paf, paf. Alors, non. Mets-lui la max. Ok. Polaroid, c'est bon. Vas-y, tire des larmes, c'est ok. Tu te places idéalement. La lecture de jeu est incroyable. Oh, le Death Touch là. Des patates de forain de grâce, avec quelques larmes. Au secours. Ça c'est dommage. Un peu ballot cette touche à la toute fin. Bon. Curse of the Lost. Pas de mapping, c'est parfait. Ça ne sert à rien, c'est bien connu. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Quoi? Encore plus? Encore plus de rainbow? Ah mais j'ai double shot? Ah non, ça n'avait rien à voir. Oh le football là, football! Incroyable avec BFF. Ça donne envie de jouer au football. Football! Oh non mais il a tué la larve de con! Non j'ai laissé la larve de con tuer! Tout ça parce que j'ai voulu jouer au football. Oh non, et du coup c'est foutu pour le Polaroid, je suis de retour à un cœur. Oh non c'est nul. Aïe, mais il m'empêche. Oh, oh le coach. Oh le méga coach. Et voilà, il n'y a pas de Polaroid, hein, bien sûr. Je vais crever. Et vous savez pourquoi je vais crever? Parce que j'ai pris la balance de mes couilles avant de prendre le Necronomicon. C'est pour ça que je vais crever. Tout s'est joué là. Ah, en plus, j'ai même pas le droit de savoir où sont mes secrets, du coup. Grâce au non-mapping. Ok. Ok.
Ouais, j'ai pas acheté le Dead Cat. Ok, nice. Maintenant, on va prendre les stats up, hein, t'inquiète. Sale traître. Ah oui. Football. Ok, attention, attention à eux là. Oh, je suis une merde. Je l'ai vu en plus. Je suis vraiment trop con. Je me concentrais sur l'esquive et là, à vouloir essayer de viser avec mon truc invisible. Voilà ce qui se passe. Non. Garde le vert, je t'en supplie. Nickel. C'est quoi la carte ? Ça sert à R. C'est une carte de mort, quoi. De death. Oh putain, les mouches qui pètent. Le coquinou. Mais quelle ordure ! Quelle ordure ! Comment tu peux me faire ça ? Ok. Pas de soucis. Non, la seule curse qu'enlève la carte The Sun, c'est Curse of Darkness. Parce qu'il y en avait deux dans l'étage, j'ai tenté. Oh, tes Balls of Steel ont été rois du monde. Ah. Merci. Ah, mais qu'est-ce que j'ai pas visité, nom de fieu. On part sur du full clear, ouais. Bon, je crois qu'il faut que je termine par celui du haut si je veux des cœurs bleus. Je t'en supplie. La larve, troll pas la larve. Oh, le comte t'es mort. J'aurais terminé... Il m'aurait filé un cœur bleu si j'avais terminé l'autre en dernier. Ordure. Encore un puberté, j'ai un health up. Rapport conflictuel en ce moment. Avec le Dark Bum. Quoi ? J'ai rien vu. On a vu qu'Abel a tout donné. Hein. Oh, il se met contre le football. Quelle erreur. Personne ne se dresse entre moi et le football. Je crois qu'il y avait un lucky coin. Putain, c'est vrai que 4 de luck et les coffres, ils arrivent pas. Bon, Momski ne change rien. C'est Guppy's Tail qui aurait changé quelque chose éventuellement. Oh, il me pop sur la gueule. Oh, le double hit de connard. Je suis un connard, le roi des connards. Mais putain, mais... Pompe t'es mort, là.
Ok. Non, c'est un perdable. Ok, c'est perdable. Football, bordel. Oh non, la mouche qui pète. Non, c'est pas possible. T'en fous. C'est pas possible. C'est trop chiant. Protège-moi. Protège-moi le football. À la protection du football. Bonsoir. Allez, avec Airwalk, c'est free, c'est free, c'est free. Y'a pas de match, y'a pas de match. Je n'ai jamais douté. Les jumeaux. $299. On a sué quand même, hein. On a sué, il est vrai. C'est grâce à Abel. C'est grâce à Abel tout ça. Merci Bowker pour le Prime, Flashkel pour le Resubs, Madax, Richify, Talestis. Des bisous, YouTube. À bientôt.